Je suis agriculteur dans la plaine, à Nieul-sur-Lotise, en Vendée, sur le territoire du parc du Marais Poitevin. Les sols sont de nature argilo-calcaire, sur lesquels on produit céréales et maïs en zone irriguée, et en zone sèche, on produit céréales, colzain et lin. Depuis de nombreuses années, je m'interrogeais sur les problèmes de l'érosion, sur les mauvaises valorisations des matières organiques produites sur la ferme. Au niveau de la ferme, je m'interrogeais avec mon frère sur le temps de travail, car la production laitière est très exigeante. L'exploitation est en semi-direct sous couvert sur toutes les cultures depuis 5 ans. J'ai redécouvert le métier d'agriculteur par l'observation des sols et des plantes. J'ai redécouvert également les cultures intermédiaires et leur valorisation qui ouvre la voie à l'autonomie alimentaire. J'apprécie l'importance des sols qui permet les épandages et les récoltes en bonnes conditions. Je peux réduire les doses des produits phyto. Au niveau économique, l'élément le plus important est le temps de travail. Chez moi, on pourra également échanger sur ces évolutions, dont celle de la ration et de son équilibre, avec une production de plus de 10 000 litres. On verra l'adaptation des cultures céréalières au semi-direct sous couvert. Je vous attends nombreux sur ma ferme le 10 novembre 2016.